Président, à quelques mois de la fin du 42e Parlement, à quelques semaines de la fin de 2018, à quelques jours de la clôture de cette Chambre, je comprends que nous sommes un petit peu en mode nostalgique, en mode de réflexion. When you think about this room and all it's seen, these stones witnessed Winston Churchill speaking to Canadians. The stained glass windows reverberated with the voice of John F. Kennedy Jr. The benches upon which we lean supported us through debates on repatriating the Constitution and free trade. These lights shone down on Malala Yousafzai. This carpet was walked on by Barack Obama. Really? This is just a room, Mr. Speaker. This is just a place. It's a lovely room. It's a lovely place. It's filled with history and stories. But this is not the center of our democracy. Democracy happens whenever MPs gather, roll up their sleeves, get to work on building a better future for Canadians. When we meet in committee rooms, when we meet in caucus rooms, when we meet around a cabinet table, and think about what Canadians hope for and dream of and are concerned about and respond to that. Wherever we gather to talk about the responsibility we have been entrusted, however momentarily, to deliver a better Canada for Canadians, a better world for future generations, that is where democracy happens. Alors oui, on réfléchit aux beaux moments qu'on a vécu ensemble dans cette salle, les moments historiques qui ont façonné le pays dans lequel nous vivons avec tellement de fierté aujourd'hui. Et à un niveau personnel, je me souviens d'amis qui ne sont plus avec nous. Que ce soit Arnold Chan qui nous a exhortés d'être meilleurs dans ce que nous faisions, ou Gord Brown qui nous manque énormément par son amitié, par son engagement, par sa force de personnalité, ou par, évidemment, notre cher Maurice Bélanger, qui nous a quittés si tragiquement, toujours prêt à lutter pour les droits des francophones et de tous les Canadiens. Mais la leçon que nous devons tirer de eux et de tous ceux qui ont contribué ici dans cette Chambre, c'est celle de comprendre la responsabilité que nous avons de bien servir les Canadiens, d'être à l'écoute non seulement de nos citoyens, de nos concitoyens, mais de nos adversaires aussi, de nos collègues dans cette Chambre qui ont été choisis, tous et chacun, par les Canadiens pour être leur voix ici dans cette salle, leur voix dans notre démocratie. Alors oui, c'est avec un peu de nostalgie qu'on ira pendant 10 ans dans une autre salle pour continuer ces débats. Mais je sais que l'engagement de nous députés envers les citoyens en qui nous avons reçu cette confiance et le travail que nous faisons à tous les jours de toutes sortes de différentes perspectives pour améliorer ce pays extraordinaire qu'on aime tant va continuer, que ce soit ici, là ou ailleurs. Oui, c'est un beau moment pour réfléchir, Monsieur le Président, et nous devons se souvenir de l'importance du service que nous offrons envers les Canadiens. Mais sachons que la démocratie ne réside pas ici, elle réside dans les actions de tous les Canadiens, et y compris leurs députés, qui doivent œuvrer à chaque jour pour bâtir un Canada meilleur, un monde meilleur. Merci, Monsieur le Président. Bravo.